aujourd'hui pour notre dernier jour, on est à New York. Il y a toujours trois coups. Donc là on est sur un petit bateau. Une petite embarcation. Une péniche, un bateau mouche à l'américaine quoi. C'est-à-dire plus gros. C'est-à-dire énorme. Et on va voir la statue de la liberté. C'est génial. On sent pas le froid. Il y a pas de vent, pas vraiment. Non. C'est léger. Une petite brise. Il y a comme une petite brise. Un petit courant d'air. On approche de la statue de la liberté. Ouais. La One qui est juste la plus grosse toi. Et tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Elle m'a regardé, elle m'a fait: oh, elle est profond l'Empire State Building. C'est parce qu'il était trop profondément dans la ville et qu'on peut pas le prendre en photo et elle interprète tout mal. Bien sûr. Bon, la tour qu'elle a perdue, c'est juste celle-là, hein, la plus grande de New York en fait. On ne se moque pas. On se moque. Ah oui, alors. Nous se moquer. Nous. Ah, même nous. Un peu. It's a new dawn. It's birthday. Birds flying high. It's birthday. It's a new dawn. It's birthday. Birds flying high. It's birthday. It's a new dawn. It's birthday. Birds flying high. It's birthday. It's a new dawn. Non. Ah non, on est sur Broadway, je pense. Enfin, un très Broadway sur Times Square. Enfin, et dans la Times Square. T'as vu le Sephora? Voici Loni. Nous sommes à Soho et on va aller faire un petit peu de shopping et visiter le quartier. En Italie, le soleil il est apparu. On est en t-shirt limite, pas vrai? Oh oui, c'est dingue. C'est un truc de folie. L'Italie, il fait chaud. Ouais. J'ai sorti les lunettes tellement il fait chaud. Donc la Trinity Church, le musée de je sais pas quoi, l'Empire State Building. Voici le World Trade Center. Et ça, c'est la protection policière vers la Tumban qui remplace cette jumelle. Ça, c'est la One. C'était ici qu'il y avait avant les Twin Towers. Donc là on mange la plus petite pizza au monde. Voilà. Par rapport à moi, je sais pas si vous voyez la différence. Mais c'est petit quoi, c'est rien que pas. Ouais, non mais on n'a pas faim ici, on n'a pas faim. Non, non. Pas très... Et en plus elle en a prévu deux par personne. Donc c'est sur le Brooklyn Bridge que se finit notre voyage à New York. On va à l'aéroport
Juste après, c'était un voyage juste incroyable. Pas vrai, Marie? Ouais. Et moi, on me demande jamais mon avis. Normal, parce qu'on les veut pas. Non, c'était vraiment super. Et franchement, New York, bon bah, voilà, vous le rêvez, comme vous le voyez, c'est encore mieux, franchement. Donc, allez-y, les yeux fermés si vous pouvez. Ou plutôt ouverts, sinon. C'est mieux. Ou plutôt ouverts, sinon vous verrez pas grand-chose.